Nadia Mukelenge Antibal Michuri Yaba Fatou Soudila. Hey India, couleur Madia Congo. Hey Indi, on a nouvelle la critère série, c'est série 8. Zenza Madodanga, Dadi Bola, Zilko Shabani. Balaya Viva, Balaya Zabelaye. Claudia Tienabu, Weke de Bruxelles, Natu Tolia. Anita Nidie, Gisèle Dapoakou, Nata Tindaya. Soki boko kakobo mamoto te, botika ni yango epela, tie kokufa. Batata ba mama, Anna Benuti, Anastasie Baliba. De Papa Wemba. Oui, vous avez bien entendu, décès de Papa Wemba. Le grand monument, l'Inkuru Yaka, le Mango Koto grand prêtre, c'est lui qui a fait que aujourd'hui nous ayons tous ces autres musiciens qui suivent. Nous ayons aujourd'hui la fierté que nous avons en République démocratique du Congo. C'est lui qui a mené sur le premier plan la question congolaise. Celui-là, il s'appelle Papa Wemba. Eh bien, Papa Wemba n'est plus de ce monde. C'est vrai, vous avez bien entendu, Papa Wemba n'est plus de ce monde. Nous parlons en termes du décès. Papa Wemba est donc décédé aujourd'hui sur le podium en tombant. Et ce que nous allons dire, c'est déplorer exactement du comment la prise en charge a été faite après. C'est-à-dire Papa Wemba est tombé sur le podium et nous avons vu la première des choses, c'était les secours qui devaient venir pour le mettre en sécurité, en position de sécurité latérale. Mais nous avons vu que ceux qui sont venus pour peut-être secourir Papa Wemba ne savaient pas qu'il fallait qu'ils le mettent dans la position latérale de sécurité pour, afin qu'il puisse être, n'est pas étouffé. De sorte à ce qu'il puisse avoir après une réanimation de son cœur. Mais nous avons vu comment est-ce ces danseuses déjà, l'absence des médecins, l'absence des secours qui a fait que c'est lui qui est tombé, qui devait être mis en position latérale de sécurité, celui-là a été relevé. En cherchant à le relever, c'est aggraver encore la conséquence de son décès. Et voilà, aujourd'hui nous n'avons plus Papa Wemba. Papa Wemba est décédé, Papa Wemba est mort. Nous allons faire les micro-trottoirs, nous allons passer donc partout et nous allons essayer d'avoir le point de vue de tout un chacun. Nous serons à Château Rouge et moi aussi je paie au moins en mémoire de Papa Wemba, je ferai donner au moins une petite chanson. Une chanson de Papa Wemba, l'artiste est mort, mais l'artiste demeure. Ce qui entende l'amour nanga et koma, neti phrase tonda, bafo te belé, mama. Ce qui entende l'amour nanga et koma, neti phrase tonda, bafo te belé. Voilà, l'artiste est mort. A kopemba kenda kaba vakanse, atuna kabango. Boni mwana wana ayakaka te. Tama e
Voilà, très chers téléspectateurs de la Redondance Télévision, nous nous retrouvons ici à Château Rouge et nous retrouvons devant un grand combattant, Babé Massombo. Babé Massombo, aujourd'hui nous nous retrouvons parce que c'est le décès de Papa Wemba. Le décès de Papa Wemba et quelle est votre réaction en tant que combattant déjà? Ma première réaction c'est simple, je veux dire au peuple congolais mes condoléances à notre frère, notre papa. La famille de Papa Wemba d'abord, les amis de Viva la Musica. Je suis vraiment dans le grand souci. C'est un vieux, c'est notre vieux, il a fait la bonne musique par rapport à la culture congolaise. Mais ce que moi je peux dire, que nous sommes que des passagers ici au monde. Nous sommes que des passagers. Tout le monde va passer. Si on regarde l'histoire de Papa Wemba, il a joué, il a aimé, il a fait jouer les gens, il a fait beaucoup d'enfants, il a aimé beaucoup d'enfants, il s'est bien, il était vraiment un grand habilleur de notre pays. Il a eu son idéologie de la sable, beaucoup de trucs qu'il a fait par rapport à lui. Mais moi, je vais demander au peuple congolais de réfléchir encore plus. Est-ce que nous sommes des passagers ou pas? Pourquoi faire du mal au monde? Pourquoi avoir des orgueils? Oui, oui, Babin, et par rapport à Nayango, Toloba, en tant que combattant, c'est vrai, Batnyo Sobazanamawa, et Bao Batikali. Et beaucoup soutiennent encore le pouvoir en place, quand bien même embargo et Zalaki, mais c'est quoi les années Nini par rapport à ma message à Bao Batikali. Message à Bao Batikali, Batala, exemple, il y a Mokiline, les autres Tambola, Papa Mbatiki Bisso, Bangope Babole, Kangape Naboleka, et ça tourne à tout. On a un Arolobelo, on a un Arolobelo, on a un Moro, il y a Papa Wemba, on a un Arolobanin, l'histoire de Bantu, on a un Arolobanin. Son âme repose en paix. Voilà, merci Mingi Babé Massombo. Très chers spectateurs, nous sommes encore ici. Nous nous retrouvons devant deux personnes qui vont se présenter. Et vous comprendrez vous-même que lorsque nos artistes meurent, il y a beaucoup de personnes qui sortent et beaucoup de personnes peuvent se présenter. Il y a beaucoup trop de surprises. Eh bien, nous commençons par celui-là. Vous allez vous présenter, messieurs. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Serra Domazikou, le dieu de la commune d'Enjili. Le dieu de la commune d'Enjili. Et vous, votre réaction aujourd'hui par rapport à la mort de Papa Wemba? En tout cas, je suis triste parce que j'en ai pas beaucoup de commentaires pour commenter. Je parle à Lingala pour bien. Loba na Lingala ndeko. Donc na loba boye ngai ne na za boye ta ba benga inga na yoka imora Papa Wemba. En tout cas, na dit perdu na kweyi. Muta benga inga ezalaki mutu oya binoka ya brasa mamis. Il est passé en Belgique, moto en Zambie, na canisse na lobby. Ah, ceux qui na zangi pembe na moto ya Zambie, la mamis zone na ipembe na e. Papa Wemba a bêté à concert dans le port au Koufa. Mais heureusement que l'église était, tant que Papa Wemba Koufi, en tout cas, Nazaraki Ngate. Mais le on a signé le gouvernement à Bissot. En tout cas, c'est le monument, c'est Baoba. Donc, on a deux mois, un mois, on a une solution, c'est le monument. Donc, c'est le monument pour tout Kanisa et Tala Leloyo. Tous les jeunes, génération de jeunes, c'est la propre, le passé propre pour la cause. Naïe. Donc, dans le 5 gouvernement, il doit charger il y a monument, et tant que Serra de Mazik, Nzambe Agili. Pour ça, il y a un clip, il y a un album à Fulangenge. Donc, pour le monde, il y a 4 tout ça, il y a un clip, il y a Martina. Tout ça, donc on aura toujours la famille, bananaye, moi si naye, yango moni, moyena lobami ngezate, na pesi mes condoléances, na famille à Papa Wemba, Amazone, maman Amazone,
pasi mingi bana papa wemba na pesi bino mes condoléances Baptiste nyo sotou ba musicien nyo sotou ya mboka na biso ayo oba oba ka la parisien wana omani a succès soka na mputu eza examen jura proclamation na Kinshasa jura proclamation na Sefa La mort, il y a Papa Wemba. Bah écoute, là, en ce moment, je me présente même pas que tant qu'un Chiloa. Je me présente tant que le fils à papa. Je suis pas son fils biologique. Maintenant, mon fils, Yaye, oh la salanga, oh mon kimomba, yébike, oh blesse, que par les Siciliens, Zulu, Jack. Donc, je vais. Beaucoup d'émotions, j'arrive pas à parler. Depuis que j'ai entendu que papa il est mort, je pleurais. Et j'arrête pas de pleurer. Mais là, je prends le courage de parler un peu. Pour dire que c'est le grand icône. Celui qui a côtoyé Peter Gabriel, David Bowie, qui a voyagé ainsi par-ci, par-là, Japon, États-Unis. L'épreuve a couché un voyage. Nambo comme Sika. Donc, à Salaké, les Loz, tout ce que l'on a en Bilamba, la sape, c'est papa Wemba, bien sapé, bien coiffé, bien parfumé. Donc, c'est lui. Donc, vraiment mes condoléances à toute la famille, à Amazon, à tous les enfants, Kadi, Joe. La prise de vue, vous avez respecté au moins. À tout le monde. À Kadi, à Joe, les Congolais ici à Château Rouge, ndeko décès à Papa Wemba, Lelo et Lobelone. Ndeko, yo réaction na yo ezani ni pona dessert ya Papa Wemba. Ok, merci Mingende. Nous continuons à prendre les réactions. Nangazana réaction. Na kacha pari la ce qui peut ka griffon oh yemoko ike
Les gars sont bon. Suspects. Voilà. La redondance, c'est ici que ça se passe. La redondance, c'est ici que ça se passe. La redondance. La redondance, à